Africa World, Am Africa, la radio du donner et du recevoir. Am Africa, la radio qui vous nourrit, qui vous informe, qui vous exhorte, qui vous parle. Oui, un regard sur l'Afrique et sa diaspora. Ça, c'est Am Africa World. Et oui, c'est pas moi qui va faire l'émission. C'est bien notre invité, comme nous vous l'avons dit la fois dernière, le lundi passé, que le monsieur nous a attiré par ses conseils uniques à son genre, mais nous avons aussi lancé l'invitation afin qu'il vienne passer dans notre espace Am Africa, afin que ce côté aussi qui se détruit à chaque fois, hein, les côtés de mariage, vous savez, la vie des couples et tout ça,
Alors, on a dit, franchement, même si nous autres aussi, hein, nous avons aussi l'habitude d'exhorter, de parler et tout ça là, mais écouter aussi les autres, ça fait quand même quelque chose. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde qui nous capte en ces moments précis. Ce n'est pas mon émission, l'émission c'est Libala, c'est-à-dire Batela Libala. Donc, ça dit protège ton mariage. Voilà, donc là, il est lundi, comme nous avons dit tous les lundis, à moins qu'il y ait un contretemps, hein, mais en tout cas, tous les lundis, notre compatriote, monsieur Pierre Boulouaï de l'Espagne, viendra nous parler sur Batela Libala. L'émission est 100% Lingala, à ne pas vous déranger, à ne pas vous vexer. Je supplie à nos auditeurs, auditrices, de pouvoir à chaque fois aussi réactualiser le site, parce qu'il y a deux fois, je ne sais pas, le problème technique ou bien comment, mais il faut toujours réactualiser. Nous sommes toujours en travail pour l'équipe technique afin de vous plaire et de mettre tout en ordre. Donc soyez justement patients avec nous. Voilà, donc ce soir, je tiens simplement à rappeler et à expliquer un tout petit peu le thème d'aujourd'hui. Enfin que ceux qui ne comprennent pas trop Lingala arrivent déjà à comprendre de ce quoi nous devrions ou nous il doit parler aujourd'hui. Moi, je ne suis qu'une assistante. Comme vous savez, Libala, le mariage nous concerne tous. Donc, on peut donner conseil, on peut aussi assister, on peut aussi en rajouter en tant que femme, hein, parce qu'il est homme, il parle de mariage selon lui, selon ses convictions, mais moi en tant que femme, je peux aussi essayer soit de contredire, soit aussi de comment. Donc nous interpellons aux pasteurs, hein, aux femmes pasteurs, à tous ceux qui sont aussi experts dans ce domaine-là, de pouvoir aussi nous contacter, pourquoi pas, enfin de pouvoir aussi donner encore de cette grâce que l'on a sur le domaine du mariage. Moi, j'ai jamais vu des experts en mariage. Mais tout de même, sinon s'il y en avait, en tout cas, nous n'arriverons pas à avoir beaucoup de divorces. Les divorces, dans le cas des églises, hein, ceux qui fréquentent les églises, il y en a tellement de divorces, des pasteurs, de tout ça. Tout le monde a succombé dans le divorce. Si l'on rentre encore dans les mondes, là, même n'en parlons pas, parce qu'actuellement, il y a maintenant le mariage pour tous. Alors, il y a un point aujourd'hui, on va en parler, c'est-à-dire l'argent. Hein, la gérance d'argent. Ndenge ya kobate la mbongo to likambo na mbongo. Hein, la gérance d'argent dans les couples. Voilà le sujet de ce soir. Et cette gérance d'argent dans les couples est aussi, selon M. Pierre Boulouaï, l'une des causes de nombreux divorces dans le monde. Et surtout dans le milieu ou dans la communauté congolaise, il y a vraiment ce problème qui devient encore cause de divorce partout dans la diaspora. Des femmes se divorcent à cause d'argent et les hommes aussi à cause d'argent. Il y a aussi des divorces. Donc, on va en parler ce soir. Alors, soyez à votre écoute. Et l'émission 100% Lingala. Pour ceux-là qui ne comprennent pas Lingala, on va toujours à chaque exposé de M. Pierre Boulouaï essayer aussi de vous expliquer un tout petit peu de quoi il a parlé. Mais par contre, lui-même aussi, il peut aussi faire l'exception en parlant Lingala et peut-être aussi glisser certains mots en français. Ça va aussi vous aider de comprendre ça. Je dis ça pour nos amis africains qui captent cet espace Radio TV Am Africa World, l'espace africain de la diaspora. Voilà, je vous dis à tous bonsoir. Bonsoir à Monsieur Pierre Boulouaï, je vais l'accueillir en même temps que vous. Bonsoir Monsieur Pierre Boulouaï, vous me captez? Bonsoir. Voilà, bonsoir. Voilà, il a répondu, il est bien là. Donc là, maintenant, je vais lui passer la parole. Il est 21h, on n'en a pas pour longtemps. Et à tous ceux qui veulent dire quelque chose ou comment, prenez votre temps de nous écouter. Et je dis à tous les Congolais, le loto loba makambetali divorce pona makambetali mbongo yango ezape cause, l'une des causes yaba divorce belé awana poto. Et vraiment, on a naming na poto mbongo zo causer divorce belé par rapport à Afrique et à Congo, ils a peut-être baka et belé, mais awana poto vraiment ils a mbongo yango papa Boulouaï Pierre pesa biso pasolo biso poke na yo na mukolo lelo betela biso penza. Donc di tam tam biso a to sali style, hein, il faut nous
taper du tam tam pour to bina malinga pour ba place msusu beta pour que na to ebi ba to radio li solo que j'aime bien mes bien-aimés, je la salue et total ba place msusu ba lobi beta bosa biso ba to lobi a beta tam tam pour soko beti mbunda ba to babini même moi la mukia beta ka pe mbunda ba to ba binaka alors bana mike pe bazaliawa bazo beta mbunda pour la makametali Afrique mikolo pe bazo bina donc awa to bengi pe papa na biso Pierre papa na biso Pierre bete la biso mbunda na o etali libala divorce et zo kutasu na makametali mbongo ba ko benga mbongo papa maloba place ezomi okuna na mboka Espagne a vous. OK merci merci maman merci merci batunyon so bazo landa biso sikoyo po talaka ka ba pesi biso confiance pour de façon que ba landa radio yo ba landa émission na biso to pesi bino merci mingi le notre le bela mingi ndenge maman loba ki makambo ya mbongo makambo ya mbongo e panza mabala makambo ya mbongo ndeko lelo soki otali na poto ebele ebele okomona ba pasteur ba panza mabala na bango ekufi ba chrétien mabala ezokufa baneni ba païen koloba mokutu te bato nyonso mpona nini toyaki koluka ndeko nanga oyaki poto koluka me na kati ya libala bayaka kolukaka te na kati ya libala na libala bayaka kofanda naye kofanda na kati ya libala eza teke naye koluka na kati ya libala lelo nakoloba mpona tout le deux côté kote ya bapapa kote ya bamama bamama mingi bazaka fragile soki olobi mingi kote na bango balelaka mingi omona ezo gene bango mingi me tolingi kogene bamama te tolingi kogene mpe bapapa te tolingi nde tolobaka bamakambo mosusu mpona conscience na biso esalaka de façon que toi bané nini toko tambola na kati ya bosembo na kati ya kimia na kati ya libala mokolo moko na kendaki na France na Paris na obeta batour na Paris pio na ba midi na koti na restaurant moko boye potolia tokoti na restaurant ya biso ba congolais et tout ça mokolo restaurant azaki mama azebi sanga boye alubi nanga ninga ka souffrir te na ninga ka souffrance te yango na sanja kamibali ele kelinga na lobi c'est pas possible mama olobi nini alobi ngana ninga kananga souffrance te yango na sanja kamibali c'est à dire pona ye mobali eza libala ou normal ou tokanisa kate ya ye mobali eza neti mwa bish moko boye fula fula o ba 207 o batinda kana kisha sawa ati wana chaque poko wabayaka na versema soki ye na versema te babengani bazui mobali msusu bon elekela kina na lobi mama c'est pas possible na kati ya libala bakendaka po ofanda na mobali na yo bolingani bosala bolingo na bino eza makambo ya kimbo aye ngai nakokaka te ya mobali soki na sina chance ya mabala kilikili ebele biloko wana na Paris na Paris na Bruxelles bana Panama elekela kinga pardon ba mama nazo généraliser ba mama nyonso te mais la plupart ya divorce oyo ezoleka na kati ya nani ya poto ça concerne l'argent et surtout mbongo oyo bambongo ya mike mike oyo bafutaka bana omona bambongo moko ya mike mike mama akangisi soki 800 abombi na papa pe akomi kotalaka kuna na poche ndenge nini mama yanga yo kende oluka ya yo papa pe atelemi bana biso ya biso nyonso bitumba ebandi bitumba te ekobanda omona ekobanda lelo esili kaka lelo te ezaka lelo lobi lelo lobi mwa oyo mwa kuna mwa oyo mwa kuna lobi lobi kuna oyokike libala esali nini epanzani ndeko na biso nayebi te soki moto aza na mutuna akotuna ngai nano makambo oyo na po plateau oyo eza ya biso nyonso biso nyonso topesanaka mwa ide po ngai nalingi koblesse bamosusu te nalingi mpe koloba mabe mpona bamosusu te me tozopesana tozopesana ide nayebi te soki mama na biso akozala na mwa likambo moko akoloba se likambo ezali eza te tozokoba tokii wi papa likambo ezali akoloba alo papa ozokanga alo
li kambo ezali mais tolingi toyoka yo na luti na suka bongo tolobi. Ok, à tout. Ok, merci. Ozona bambongo moko ya mike mike bambongo moko mike mike oyo yango zo fanta mabata na poto bongo ango mike mike mutasomba na ngwa avion na mona te bato basomba meme oke o asombi soki mapangu na mona ngote ezaka bambongo mike mike o bapesa kabana ya konia ya nini peut-être moi c'est pas ça ba moi geste na et ba nini mais babiloko wana ndezo bebi sa mabala na kati ya poto. C'est-à-dire, basi mingi mingi, ba mwa msusu bazwa ka, mi bali na bango neti, neti mwa nani, nini, nini, entreprise moko po, e produire, e ba nako produire ye mbongo. Me, e fre, mubali ifo asala na bo ite, mubali to sala kana biso, me, to tia kana eloko wana na mutute, soko zo tia eloko wana ke, mubali, soki apesi mbongo te akeyi, mama oko shanje mabala 50 fois. Neti mama oyo na monaki na Paris. A shanje ango soki combien de fois. A shanje ye moko ya azolo bake, a shanje mibali alimbi. Me ye bake, na ba mibali wazo shanje mkulo msusu, ako kwe na mbali msusu, oyo wazana nyama. Azana lara, pe na nyama. Alikipe. Ponga na mwona pa msusu, ngayi. Na kotanga vile huyo na panda kite na kotanga po ba tutara kaka ba ba hivi ba kolba mwona ke na zo chola msusu boy na boy no ezaba makambo ya solo na na mwona ki msusu isika panda kaka na ba fransu kuna mbongo mwoko wako sangana te baji na sima pona nini mbongo bazole la lena kama mbongo na hii me sima mbongo wana nini ezalaki diwa ezalaki nini ezalaki na nyanya nyama lokota ngo sofu wapi siko basho bazo ya hey mobali yewe mobali we ya mbongo mobali wa pesa kama mwanen izaka ya ti atiki nyama kei ti atiki nyama kei ti tamo elia siko kufunga makila zana nyama basi so kiki kombia basi ba, bazo wa maladi nyo sana pona nini bazo kenda utala materiel c'est vrai soki uzala mobali ibo utala karnano nini nini boko vivre materiel na bino asalaka asalaka te tusa ni nipopa metre intere mobimba na kati ya mbongo intere mobimba na kati ya materiel huyu nani situasyon ya mbongo situasyon wana ebebi saka epi kuna ukukende ukuzote ukuzwa mobali ya kupesa mbongo azate ukukende musufiri kaka tout d'abord avant ya kubala fiançaye ya zala bota na nakama na kati ya fiançaye uta nani mobali huyu nauzwa alingaka msala mobali huyu nazuzwa eski alamkaka na tongo pwa kenda msala po ba mibali belea balinga kama msala tea sirtu na Belgika afandi na ee a sedik soki ba sedik ba na franca venga ta sedik na ba shwa maifa ezole ka etu sa balinga balinga kaka yute bon o pardon ba papa ba oyo balinga kaka yute ba kumona ke yo na zoki nda bango no no tozolo ba na picho kaka po to sepele sa nani ya te ba ningi nini ke soki na famimu moko boye probleme zali baiba nini nini ya pojere situasyon go ukuma na mbambani msusu balingana bango misala te me sevre pona nini po ezana ba msusu batanga ebele ba oe batanga pe bazali c'est à dire azana kapasite moko intelektuel ya terrible me nene na foto awa bino moko boyebi ke na foto soke zoe ya po sala na mwa bit eza mwa difficile omwe o sala makambo yake ya construction ya nini misala o ya kukumbula na banzela wano kuzona yo msala me ozoe kwa msala na ba diploma na yo okuzwa te siko ba papa ndenge wana bazana difficulté na kata ba famina bango awa na poto awa na poto bazana ba difficulté na ba famina bango po soki akeyi neti asala misalo ya physique misalo ya makasi ezo le misa yeko azo le mbandenge moko wakusana pe me azana kapasite moko ya kusala misala na servo na ye na ba diplome na ye me awa na poto bachaka biso boyebi bachaka biso oyebo opesi nani bazo biso yoke mbada kukula mpesi abo toko benga yo me osu na wanta bazolo ka ingenyero ya mundele bazolo ka mtu wa zana kapasite petete ya yote ya se bazuye po aza mundele bacheye akuno sasa bo yebi zana chikuyo ki nibala nene wana papa wana petete yenga ya kini boso abengisi mwasi u mwasi ya kini boso abengisi o mbali nanga kipena kisasa abengisi ye ayao bobye msanga ki mabala wana iku vivre nenge nini ama makambo nga nazo disaweza msika tenga na mwono wa makambo wa nenge wana kiri sikoyo umoni mwasi akoni kolela mobali aliniko lukambongo te
Bon, tu revivre peu, il faut que tu courant, tu te mailles, tu te bois, tu te au moins, tu ne peux pas les continuer là. Mon vali, ils ont un souci au Romona, et ça, ils ont un et comme bongo, mon vali a décidé de poser un Kinshasa. Bon, tu n'as pas eu plus de 20 ans, tu as eu 15 ans, 10 ans, tu as eu un non. Au moins, mon vali, et comme moi, photo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un peu Kinshasa. Azo nga nakishasa pona nini azo kwa kalisusu te misala ya awa ye bishanga boye bishanga mama sikuyu toko nika nini na mabala ya boye na kati ya poto toko nika nini na mabala boye na kati ya poto nina mwona msusu baso nga nakishasa bakumba profesor na bakampishu kuna pona nini azana kapasite na ye intelektuali azana azetu abando kusala na iba sekirite ba nini amonika alembivu nisala makati azongi Kinshasa atiki mwasi na yao mwasi pe sikoyo afandi yao mwasi ye moko atika yale yao mwasi ya kumi mubali yaka mubali ya zuri seye yo yaka na Kinshasa ekomi sikoyo benda biki oya benda msusu oya benda msusu mabala na poto tozana bariske moko ya kusaka na te bariske oya ki epanza eze bele yengu tozoro belango mingi mingi de fason ke ba risque wana ba nini ba fissure wana tokanga kangango bon yebisa chikoyo mama papa bango wana bazoyo kanate oyo alobi na zongi Kinshasa pona na lembi misala ya poto oyo atikali na poto azolo bayo yaka na poto toko lisabana yebisa na chikoyo mabala ninge wana awana poto ezempele kende na Belgique kende na France kende na ba Londres misala ma balo eze beleta choki ba yoki yango ba bango moko bako loba I me garso yo nae muta yisa kiye ba bilo kabo me bibu ngana umeni na poto na moni yango na misu na nga ebele ngana mwona mlibala msusu mama se decide ye moko alobi papa na ngayi yo kozo nga na yo awa na poto papa alobi te ngayi na kupesa kuru na ngana nani na ipen bazo futanga 300 wana ikoki na fandi nanga na ipen et c'est tout na boyi nanga misala ya poto mama sa decide alobi yaka ngai na kosala yo fanda na ndako ti na ndenge yo fanda ka na ndako nde solution yo bazwaki papa wana zongi aye afandi na ndako mama atikali azoke nde kosala msala na ye bunama na barisiko tozana ngo ya mabala na poto ebele pe bafandi na Kinshasa bazo reve ko kende poto tozo kende poto me ba risque ya divorce na poto eza tellement difficile eza tellement ebele ba papa isika bafandi ba ebi makambonga na zolo ba ebi yango bia ba umeli na poto ba ebi makambonga na zolo ba pe bazana ya experience ba mona pe ba msusu esalama pe akenda pe kini nini nini kaboli bango moi mon solo est capable de bango papa qui est bon susu net bajen ba ou ba ou koma sika poto bazana ba 5 ans ba 10 ans ba ni wana nde siko soki mama na kati na ye mutu esi tonda kaka mbongo omona ke bana oyo bazabana na ngaba uti na bomunanga mbongo bazofuta ya bana izaya nga moko ezaya mususu te yo ya yo moko obota bano yo moko omoni ya bandi I bana na ngai azuru ka ba raison iska raison ezate mais c'est vrai mbongo ezaya bino ezaya yo bache na compte na yo ezate ke ta bache na compte na yo mama mbongo ekumi ya yo spécialement non mbongo ezaya bana soki bana bazaki ba mikolo mbele bazo che la bango na compte na bango moko mais ndenge bazaba binaire yango bazo che na compte ya mama ta bache na compte ya mama lukabo zo mbongo wana bosa la babiloko na bino bolo kama mindondo te na tumama mbongo mike e bele pe uzo mwona bazo kende tina divorce pona mbongo ba $500 €500 ko e kaboli pe libala buu libala pe e panzani e se fini libala e panzani pona nini mama kanga $500 azo boya memu mbali azo mwa 50 mbali o mwa si nini e boya na boya lobi ori libala e panzani pona nini $500 Mama, bino moko panza mabala pona $500.
aussi longtemps ma maman mususu bazole la mama ya misu mobali na yazo kende kisha sazolo ba yaka opanda na nanda opanda na ndapu nanga opanda na yo kaka soki oboi misala ya poto opo seo lembi okoli panda na yo ngamoko na kose debriye tokoli ya kaka me yo oyo ozana mobali na ndapu ozolo ba te 500 wana ou 300 ou meme ba 100 ou ya ngamoko na kangi ya mobali ya ombongo mbo ya yote wana motema ni mama bakoloba yoka mtu wana makambo bazolo ba wana eh ba mama baza franchine balinga ko yoka babiloko aboyete pardon to solo babiloko aboyeza po oye banini noko batela lebala na yo soki uza loboko makaku mingi eh loboko makaku mingi yoka lebala na yo po eza na venirite. Il faut que vous ayez un bon fond de la carte, mobile, qui a un bon na à la mesa, maman a un bon na à la mesa, vous allez partager. Et dans la famille, vous avez un mobile, vous avez un carte de crédit à moi. Au moment que côté ambongo bazana ba moi j'ai de mettre mingi ba j'ai de mettre wana exacte voilà ma bana yango wana au moment papa fandi ka boy ah bon bini sa ki bongo boy ah bon oh tout ça ki boy ah bon tout ça la boy ah eh ça va non mama eh avant oh bala papa tala nano mama tout ça na ta fiançaille boy bana nano eh te mbangu mbangu uzoki ndeko bala ka ozota la kaka mwa vundezo wana utali kaka mwa nzoto ti ngai mwa siyo ngana ebi pastel msusu atali kaka mvundezo boy ti alobi ngana kukufela kaka wa hey, na ebi si pastel pa hey. Yo alobi ni yo kwa mvundezo yo o nga kaka wa natali nenge mvundezo azo lata nenge azo se komporte tu alobi pasta oyo oyo ya kukani na yote ati ebe ti nga kaka wa na kukufela kaka wa hey. Basenda, est-ce que basala inane? Tu comme quoi ça moi, yé moko azo pesa biso ça. Ah, ekufa, ozoma ndenga balo bakasi kopo wana ne. Ekufa, talaka ka maswa. Na boye na ka koloba ke, na ibisa ki o chakinga. Na tala ekufi ya, ça va. Tala na no mwasi, na kacha fiançaille. Yo pe ba mama, tala na no mubali, fiançaille ezala ka po bozo ye bana, bozo tala ke, est-ce que iske makamango ekokani ekokani mwa mobali oyo iske akokani mobimba de façon que to fanda naye te oyo bizale naye za gauche oyo pe bizale naye droite ba ate nini batanani ka banzoto bogar mobali oyo nga vraiment na kufa ka pa mobali oyo bogar ozi bogar oke naye ozi oke na bogar wana deux ans isaïe belé tu regardes que babo t'as mangé moko ou deuxième ou débana ou yoki brou libala wa nekouf pour nani ni oyo aza côté gauche ou côté droite il faut beau faire naka ici que bobo nakati anani ya fiançaille bozo talana maman est-ce que ya koki papa ou ya tali papa ou est-ce que papa ou ya koki boi na boi te ma bala poto eza li sou fiançaille c'est à dire pour na bango eza kaka kokende ko beta moi chobu eh mona ka babeta kaba chobu pina ba pasta anzambe parce que nakaka chobu nde fiançaille na bango mais eza pona ko yeba na bizale lifé ya bango eza ya chobu moni ba bibi boi chobu ba bibi pona eh mais mino ko bala na sikote eh to zoze la nano ba zoze la nini po ba beta na bango ba chobu sha bilo sans problème tranquille eh? Mais mon ko bala ni ka boy ba fande sika moko deux ans ebele ni na ibi tinding nga na zomona mabale zo panza est-ce que ta ba papa na biso mabale ba no panza na boy na ibi te peut-être nga na zaki mwana kidiba nazoe bate me mabalo ndenge nazomo nezo panza na nakata poto egomo kupesa nga na somo somo ko me uki uzoka somo utali kabo i yanga pe ko panza na sikoyo tena kaka po yeba soki ni kambo ekomi na porte ya vazin kala mingi te kokota sheyo eh? Kala mingi te kokota sheyo i na komo ko banga banga na i batu ni kambo ngo nini yo baro baka même ko tete ezaka likambo nini ah te isilaki esili pona nini loba eh loba isili pona nini
Ah, wana ma cité. Ma cité. Oyo, 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 tanto ebele ebele ba papa na ebike bayaka na mbongo bapesa ka ba mama mbongo mbongo pe ba sala ka ba dépense na kati andako na zolo bateke ba papa ba bapesa ka mbongo te o ba mama e na ebi ba mama msusu o ba pesa ka pe mbongo e pi o moni ke papa azangi mbongo mama nde azo supporter te na papa azo supporter te na famia ba papa na ebi yango ba mama wana bazala ka na bango me ba msusu problème na bango batoyo ba boya libala ba boya bango ba demande poche ya mutu azoya na libala azolanda yote poza bogar poza azolanda poche na yo moi si net moi soye bisanga ke ngana ninga ku souffrir te yango na changa ka mibali pamba pamba c'est à dire azoya pona poche hein pona poche na yo to boya ka ba makambo wana soki tala na ba famille na biso na kati ya couple na biso toza la claire na côté ya mbongo toza ka polele ubinisi mbongo tie na mesa mama fa binisi mbongo a tie na mesa ko sale ba projet na bino po na mbongo mama akoti nda pe chez bango akoti la pe ba projet na ye problème ezate to boite hein mais côté wana il faut toza la ka moi 50-50 émancipation de la femme mingi ba mama na zoko ya kotouche kuna mingi me ba mama bazaka na mwa wa problème ba kote kwa surtout ya biso ya ba noir ya ba congolaise na ebite ba ba noir msus mais ya biso ya ba noir ya ba congolaise tozona si problème wana ezali mama omona azo sala msala mbongo wa msala eza ya ye ya papa nde akufuta ba biloko msusu ba charge tout sikosoko tuni mama mbongo na yo bafuta ka ikenda ka wapi makambo ebandiwa ba papa msusu basi ba boya na bango kutuna bafandi na ika nyea zoro ba tozobo ya ba problème. Mais ba mama ndenge wana il faut to changer moi $500 et comme le yoli bal o ko ke le uzo mobile nous sous ya nini oyo ya ba million na pota wa zaraka te yo mona mobile ba million na pota wa mobile ba million za kana kisha sa mobile ba million za kana pota wa te to bo ya ka babilo kwa ndenge wana mais to za ka moi transparent una na kote ya mbongo kote ya mbongo mingi kote ya mbongo. Siko umbona mama, nabomba ye na ndaku ya msala nini? Mbali na yo, papa ya bana na yo, po lelo azangi msala, po azangi mbongo lelo, okumi kubomba ye na ndaku ya msala nini? Po yu bafuta kayo na ba assistant social? Ndeko nanga. Ezike likambangu eza diabolika, po eza likambu ya solo. Okumba, eza netinga, lelo yu mwasi na ngazo sala teni, natuna yo, nabomba ye ya msala nini? Meno! Obomba mobali na yo ya msala nini? Ezapo ezaniti mobali na yo se moi entreprise moko boyi ebi msala yo la. Mais non, ba mama. To ye ba nini ya kozala moi transparent ba kote kuna ba papa pe ba oyo ba pesa ka mbongo te na ndako. Bolingi ko bomba bomba ba mbongo po boke ndaka ko pesa ka ba deuxième ba de babor ba menda de babor soki omoni ke papa banda kopesa mbongo ebele na ndako ekomata moko boye ekomi ke mbongo ezomona na bien te keba tala ya papa wana bien yebisa ye en face te tala papa ne mobali nanga namoni ke mbongo ekomi komona na te ekomi okende na deuxième biro wana atake ye makambo wana batakaka face a face te yo olukanga na oyeba deuxième biro azalaka awa azalaka te ta okoya koyeba boye deuxième biro aza deja na deux bana na trois bana asi ya botela ki deja mobali na soki omoni kaka situation mobali azalaki mwa bien komi kochange na ndako apesa ka mbongo te yeba ke mutu msusu aza wana banda kotuna deja yo mobali nanga mbongo obanda kopesa nga depuis kala karaktere oyo eza karaktere na yo te keski fe ke mbongo ezomona lisusu te musala okendaka na yo me siko mbongo ebombami wapi tuna ye fandisa ye bien tuna ye okomi na deuxième biro okomi na mwasi mususu omona ndenga banda te yo makambo nini osoleba boyna boye babanda tobanda kabongo yo boyna boye te tao banda soki obandi kwatake ye omona soki alingaka beta chobo akende pa deuxième biro boye alobi
moi si nanga ibisanga lelo ah te abengi ye te nazobela lelo na koyate azobenga yanga shikashe na koyate oh asa ibi ke moi si na e asa abandi koye ba deja makam toye ba kaneni ni kuzala transparent kuchaka mambo na biso na mesa ko partager mbongo na biso ko sala ka ba projet na biso ko boya mindondo ko boya ba problème na pesi bino na no mwa maloba soki mutaza na mwa maloba oyo ya koloba. Merci papa na oui allô. Oui monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et je vois que vous êtes aujourd'hui sur l'antenne de Am Africa World. Mais, oui. Et, mais malheureusement pour moi, tout ce que vous avez dit est en lingala. Et je voudrais te demander si tu peux au moins me résumer un peu ce que tu dis. Parce que le thème est très intéressant. Et comme ça parle de protège ton foyer, ça concerne voilà. Tout le monde. Nous voulons aussi apprendre de vous parce que la radio dit que c'est une radio du donner et du recevoir. Moi, je suis Togolais. Malheureusement pour moi, je ne parle pas lingala. Je vous écoute, mais je n'entends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. Alors, si vous pouvez me résumer, ce serait très intéressant pour moi pour cette soirée. Okay. Merci. Ok, je vais récapituler. Le problème est que on oui. parlait sur l'argent, hein? Oui. Oui, sur l'argent. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de divorces à cause de l'argent, à cause de moyens financiers à la maison et tout ça. Oui. Bon, et surtout avec les systèmes ici de, on paye les enfants, on donne au moins de l'argent. Je ne sais pas en français comment est-ce qu'on appelle cet argent-là. Oui. Hein, l'argent qu'on donne aux enfants et tout ça. Oui. Bon, la plupart des mamans s'accaparent de cet argent-là. Oui. Disent, non, cet argent, c'est pour moi et tout ça, et nanani, nanana. Et ça crée des problèmes dans le foyer. Ça crée des problèmes dans le foyer. Et aussi, on a parlé de papa qui travaille, parfois, il n'arrive pas à être clair. Oui. Hein, sur son salaire, tu vois, on les paye et puis à la maison ils ne donnent rien et tout ça. Et la maman dit, mais chaque fois tu réveilles le matin, tu pars travailler. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Peut-être papa, il a le deuxième bureau, il a une autre femme, tu vois, non? C'est ça qu'on était en train de parler sur la situation financière de la famille. Oui. Bon, et selon vous, comment est-ce que vous avez expliqué le problème? Est-ce que la faute revient au papa ou bien à la femme ou bien comment vous avez expliqué ça? Voilà. Il y a... Parce que, écoute, ici, oui. je parlais de deux cas. Oui. Il y a le premier cas, c'est le cas des mamans. Oui. Quand on donne l'argent aux enfants, la maman doit prendre cet argent et mettre sur la table. Oui. Tu vois, on fait le projet, le programme et tout ça de la famille. Oui. Papa aussi, quand il gagne l'argent, il vient avec l'argent, il met sur la table. Oui. Tu vois, oui. on fait aussi le projet de la maison. Oui. C'est pas ici en Europe, il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre. Oui. Dans le foyer ou dans la famille ou même au travail, il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre. Bon. Si papa gagne l'argent, qu'il vienne avec l'argent, qu'il mette l'argent sur la table. Maman aussi, mais maman, c'est 50-50. Tu vois? Oui. Si maman gagne, il ne veut pas donner cet argent. La faute est à maman. La faute appartient à la maman. Si papa gagne l'argent, il ne donne pas cet argent à la famille. La faute aussi appartient au chef de la famille. Comme chez nous, on dit c'est le papa qui est le chef de la famille. Oui. Tu vois? Oui. La faute appartient
à ces matchs. Sinon, on met l'argent sur la table, on fait le projet. On fait le projet ensemble. On fait le projet ensemble. Mais la plupart de nos femmes africaines ne veulent pas ça. La plupart de nos femmes africaines veulent que quand la femme travaille, l'argent appartient à la femme. L'argent appartient à la femme. Et il sait que papa travaille, il vient, il paye la maison, il paye l'électricité, il paye tout, il paye tout. Mais l'argent des mamans, tu ne peux pas toucher. Ça vraiment, mon frère, je suis clair comme de l'eau à boire. Il faut mettre tout sur la table et on fait 50-50, 50-50. C'est ça qui était mon explication. Ok. Bon, merci, monsieur, de nous avoir expliqué. Et ce que moi j'ai ajouté dedans, je vous ai bien compris, c'est vraiment un problème, surtout du côté des Africains. Et s'il faut maintenant que les Africains prennent conscience du problème, surtout que nous sommes en Europe, c'est-à-dire nous avons deux cultures, c'est-à-dire une culture typiquement africaine, et nous voilà aujourd'hui en Europe une autre culture. Voilà, c'est pas facile, et que le problème de foyer, ça se crée chaque jour, et que dans ces derniers temps il y a pas mal de divorces à gauche à droite, alors qu'au début ce n'était pas comme ça. Et le problème s'explique du fait que l'homme change perpétuellement. On apprend beaucoup de choses. Et là, on essaie d'oublier le passé, ce qui n'était pas bon. Hein? Ce qu'on avait fait, ce qu'on pratiquait qui n'était pas bon. Et on essaie d'utiliser, n'est-ce pas, l'actualité. Hein? Chacun veut perfectionner, n'est-ce pas, sa vie. Bon, si nous considérons les familles africaines, le problème de mariage se pose beaucoup parce que nous n'avons pas compris ce qu'on appelle mariage. Nous avons mal compris, que ce soit dans les religions, on en parle, que ce soit politiquement et un peu partout, on en parle. Même dans les sociétés traditionnelles africaines, c'est vraiment le mariage a, n'est-ce pas, un rôle, joue un très grand rôle dans la vie des êtres humains. Chez nous en Afrique, si nous considérons ce côté traditionnel, un père et une mère qui a élevé sa fille, et que lorsque la fille a grandi, les parents ont toujours, quel que soit l'âge de la fille, même si elle rentre au foyer après le mariage, les parents ont toujours la même mise sur sa fille. Ils veulent toujours en profiter. Bon, ils se disent, ah non, on a élevé notre fille ici, elle a grandi dans nos bras, on a fait ceci, on a fait cela. Alors, maintenant que nous, les parents, nous sommes grands, il faut que notre fille nous aide à vivre. Et voilà. Lorsque leur fille se trouve dans un foyer parce qu'elle a fait le mariage, elle s'occupe d'abord de son foyer et il faut qu'elle fasse face aussi aux problèmes de ses parents et même ses frères aussi qu'elle a quittés. Et là, si nous nous référons aux religions, dans la Bible comme dans le Coran, on a parlé du mariage. Je pense que je suis mieux placé pour vous dire ce que c'est que le mariage dans la religion musulmane. Le mariage recommande que la femme et l'homme vivent en harmonie et vivent en harmonie. C'est-à-dire, comme vous venez de l'expliquer, le père et la mère, ils travaillent et il faut gérer la famille. Si vous avez des enfants, savoir comment les supporter. Mais si ces enfants-là ont des problèmes, les parents sont responsables.
si les parents deviennent, si les enfants deviennent des délinquants, vous êtes responsable. Si les enfants n'apprennent pas la religion, vous êtes responsable. Et là, c'est tout un grand travail. Et lorsqu'on dit se marier, c'est fusionner, c'est être ensemble. C'est pourquoi au début, je l'avais expliqué la fois passée d'ailleurs, que aimer, c'est avoir pitié. S'il n'y a pas cette pitié-là, il n'y a pas le mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Mais, qu'est-ce que nous remarquons dans nos familles? Bon. Au début, le mariage, il est très bon. On s'aime, on est à deux. Ah, mais vraiment, l'amour est vraiment très bon. On s'entend, on fait des choses, on joue, on marche ensemble. Mais lorsque les enfants arrivent, c'est là que débute le problème. C'est là que débute le problème. Et on a tout un grand budget. Et c'est là aussi que l'amour diminue. Mais nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Dans la religion musulmane, on nous a expliqué cela. On nous explique que lorsque vous épousez une femme, elle a son amour, elle a cet amour-là avec vous seulement. Elle ne partage pas ça avec quelqu'un. Mais lorsque les enfants viennent, le premier enfant arrive, la femme divise son amour en trois parties. Hein? Une partie à elle seule, à elle pour elle, et une deuxième partie pour son mari, et une troisième partie pour son enfant. Et au fur et à mesure qu'elle va encore avoir des enfants, elle va diviser encore toujours cet amour, et si vous ne faites pas attention, l'amour va terminer en elle, si bien qu'elle va diviser, et il ne restera plus rien. Et si elle n'a pas un bon cœur, elle n'a pas de pitié, c'est là que le divorce s'éclate. Voilà, c'est le début de l'amour. C'est comme ça qu'on nous a expliqué ça dans le Coran. Et la question là-bas de se poser, pourquoi, comment on peut aimer, et pour quelles sont les raisons qui poussent l'homme à aimer une femme? On peut aimer une femme parce qu'elle est belle. On peut aimer une femme parce qu'elle est riche. On peut aimer une femme parce qu'elle elle a appris la religion, elle connaît le Coran ou bien la Bible. Oui, elle est religieusement très forte, elle connaît tout. À cause de cela, l'homme peut dire que cette femme-là, moi je l'aime parce qu'elle connaît la religion. Ou bien cette femme-là, moi je l'aime parce qu'elle est belle. Mais la religion nous dit que la meilleure de ces femmes, c'est celle qui a appris la religion. Et dans la religion, nous connaissons qu'il y a... nous avons, n'est-ce pas, notre aïeux à manger, cet arbre de connaissance du bien et du mal. Et le premier, il a mangé ce fruit-là, et là, on connaît le bien et le mal. Et là, dans la religion, toutes les religions prônent, n'est-ce pas, la pitié. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, ayez pitié de lui. C'est là l'amour. Voilà, et là, on nous recommande que la meilleure des femmes que nous devons épouser, surtout nous les hommes, c'est cette femme-là qui a appris la religion, qui a la pitié. Dans la religion, tout est expliqué. Parce que la religion ne prône pas ce divorce-là que nous provoquons. Plutôt, elle encourage l'homme et la femme de rester ensemble. Bon, voilà, nous sommes partis de la religion. On a expliqué un peu le mariage en Afrique, c'est que les parents ont encore la même mise sur sa fille. Et lorsque la fille vient au foyer et que cette fille ne sait pas d'aider la famille, alors là, ce sont ces parents-là qui vont provoquer d'abord ce divorce entre l'homme et sa femme. Non, ils vont dire comment ton homme-là, c'est comment on ne reçoit pas l'aide de la part de vous. Mais si votre femme essaie d'expliquer que voilà, nous avons un problème, nous faisons... Mais comment? Ce n'est pas comme ça ici chez nous en Afrique. Mais une femme au foyer, elle doit aussi aider ses parents. Elle doit envoyer de l'argent chaque fin du mois. Et alors, la femme essaie, n'est-ce pas, de provoquer, n'est-ce pas, son mari au foyer parce que les parents aussi ont chauffé. Et là,
il y aura des problèmes qui vont naître au foyer et l'homme va chercher à comprendre le pourquoi, mais on n'explique pas ça clairement. On commence par vous dire des mots, vous ne comprenez rien et on fait des jeux. Mais le problème, c'est que les parents ont chauffé, n'est-ce pas, depuis l'Afrique. Et là, la femme se dit, mais l'argent des enfants, là, c'est moi qui a donné les enfants, c'est moi, la femme, c'est elle qui préoccupe. Alors là, l'argent des enfants, là, ça, c'est pour moi, la maman. Et là, en Europe, ici, on a remarqué, lorsque les enfants font les anniversaires, je ne sais pas, dans les autres pays, on a eu à critiquer cela. On organise que l'enfant a l'anniversaire. Et ce sont les femmes qui se font des costumes, qui s'habillent bien, et viennent fêter, danser, manger, alors que l'enfant, cet enfant-là qui a son anniversaire, peut-être que lui, on n'achète même pas habillé, ou bien il a seulement qu'un habit. Alors que les femmes sont bien habillées, disent, ah, voilà mon enfant, et elles oublient déjà l'avenir de son enfant. Et l'homme à côté, voyant ceci, dit, non, mais comment? Il faut préparer l'avenir des enfants. S'il faut envoyer l'argent à tes parents, s'il faut qu'on fasse des anniversaires, bon, et l'avenir de cet enfant. Voyez, là, c'est ce qui provoque aussi, n'est-ce pas, les divorces dans le foyer. Bon, je vous explique aussi un autre cas du côté de ce mariage-là, où il y a beaucoup de divorces. C'est qu'il y a cet égoïsme-là. C'est parce qu'on n'a pas compris le mariage, il y a l'égoïsme. Chacun essaie de son côté de garder son revenu. La femme veut à elle seule garder son argent. Elle veut être riche. Et elle se dit, je veux être riche, si bien que je serai très importante chez mon mari. Et que s'il ne veut pas, je peux trouver un autre mari. Ou bien, en Europe ici, si je vais quelque part, les femmes ont beaucoup leur droit ici qui est bien expliqué, et bon, elle va toujours tendre le piège. De toutes les façons, il y a, n'est-ce pas, un piège qui va vous tomberez de toutes les façons dans un piège. Oui, et chez nous, excusez-moi, je vais expliquer un autre. Nos oncles nous ont expliqué quelque chose que chaque jour, peut-être que les femmes m'écoutent, mais c'est aussi un secret, on doit le connaître. Et les femmes doivent savoir que nous, les hommes, on les connaît aussi. Et que chaque jour, la femme tend des pièges un peu partout s'il y a des problèmes. Elle sait que je vais tendre ce piège-là. S'il ne tombe pas là-bas, il tombera là-bas. Et le dernier piège, si ce piège-là ne vous arrête pas, on vous attend au lit. Oui, et là, le problème commence lorsqu'on veut toucher, on dit non, 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 c'est comme ça, je suis malade, etc., etc. Peut-être qu'elle se porte bien. Et là, c'est là aussi que le problème arrive. Et le vrai amour, mon grand frère, les femmes nous écoutent. Si une femme refuse à son mari de s'accoupler au lit, voilà, c'est là le début, n'est-ce pas, du divorce. Avant que le divorce n'ait lieu, c'est qu'entre la femme et l'homme, cet accouplement a été refusé, et d'habitude du côté de la femme. Voilà. Alors, pour ne pas aller loin, je pense que peut-être les femmes aussi ont quelque chose à ajouter. Je remercie Monsieur Eric de nous avoir donné des renseignements, et c'est ce que moi j'ai à ajouter, et surtout ici en Europe. C'est ce système, c'est toujours le problème économique qui provoque les divorces ici, parce que chacun veut être bien, chacun veut être libre. Avec le système d'amitié avec les autres femmes, une femme qui quitte, n'est-ce pas, son foyer pour aller dans une autre famille, et voyant l'autre femme qui vit bien, commence par s'expliquer des problèmes. Ah, tu sais, chez moi, mon mari m'a donné l'argent des enfants.
je m'en occupe, ça pourquoi je... Ah, tu vois ce panier-là, je l'ai acheté, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Ah, moi j'ai lutté, hein? J'ai lutté pour obtenir, n'est-ce pas, l'argent des enfants. Ou bien d'autres s'en vont même aller voir les charlatans en Afrique, là, pour essayer de faire des gris-gris. Non, et je dois envoûter mon mari pour qu'il me donne tout, n'est-ce pas, l'argent, pour que je le contrôle, etc. Et là, il y a un bouleversement au niveau du foyer. Les enfants deviennent des délinquants parce que tout, rien n'est... Si les enfants remarquent que les parents sont désorganisés, alors il y aura du n'importe quoi dans la famille. Alors que le bon sens dit que le mariage, quand il dit le mariage, c'est qu'il y a une union dedans. Même ici en Europe, en Allemagne, ici, on appelle ça Hochzeit, c'est-à-dire les temps forts, les temps les plus hauts. Hochzeit, les temps les plus importants, c'est le mariage. Et dans la vie des hommes, dans la vie des êtres humains, ce qui est très important, c'est ce mariage-là. C'est ça qui unit les gens, c'est ça qui unit des familles, c'est ça qui unit la famille de la femme, c'est-à-dire les beaux-pères, les belles-mères, à d'autres familles. C'est ça, n'est-ce pas, la chose la plus importante. Et si là, les problèmes naissent, c'est-à-dire c'est tout le monde entier qui est en problème. S'il y a divorce, le monde entier est dans des problèmes parce que les enfants vont devenir des délinquants. Il va manquer, n'est-ce pas, d'autres cultures. Hein? Que ce soit le mari qui quitte ou bien la femme qui quitte, les enfants, il en manquera beaucoup de choses à cet enfant-là. Et l'enfant-là ne va pas recevoir l'amour en tant que tel de ses parents. Et si vous ne faites pas attention, ces enfants-là abandonnés, si... ces enfants-là restent avec, n'est-ce pas, l'un des parents irresponsables, ces enfants-là deviendront des criminels. Et si vous voyez aujourd'hui, c'est le problème que nous vivons actuellement. Vous allez trouver les enfants de quelques familles qui circulent un peu dans les rues parce qu'ils sont en Europe. Certains fument de la drogue, certains font du n'importe quoi parce qu'il y a eu ce divorce, il n'y a pas eu l'union des parents pour éduquer ces enfants. Alors, cher ami, je ne veux pas monopoliser la parole. L'émission, elle est à vous. Merci de m'avoir donné, n'est-ce pas, ce temps pour expliquer un peu de ce que j'ai. Et je crois que j'ai suivi aussi vos conseils, j'ai suivi vos explications. Et je vois que la soirée a été aussi pertinente. Et je te remercie. Je t'envoie la parole en passant par... Maman Feza, mais à vous d'abord la parole parce que l'émission est là, elle est à vous, l'antenne c'est pour vous. Merci Eric. Ok, merci papa Baba Tcha. Merci. Bon, Maman Feza, yo moni ningini, yo yebisa biso poto lobi kote a basi, siko bino yo zamas. Beaucoup papa Nabiso pour la coupasenga parole. Franchement, pour la bonne compréhension de tout le monde, je vais tâcher de répondre rapidement en français et en même temps en lingala parce que c'est très important pour les autres aussi qui ont aussi parfois du mal à parler français mais qui parlent peut-être d'autres langues aussi. Hein. Ça n'est pas oublié. Nous avons aussi une communauté qui parle lingala tel que les Angolais aussi mais qui ne parle pas français mais parle portugais. Donc cet espace Amafrica, c'est un espace pour les Africains. Donc on doit quand même essayer quand même de pas trop rendre exclusive la langue française dans cet espace, mais on va quand même essayer de faire un effort pour plaire à tous nos auditeurs et auditrices. En tout cas, d'abord je commence en lingala pour m'expliquer à notre confrère camarade Pierre Mulouaï. Papa Nasije Oyoyo Yenango Lelo. Ah, donc, veuillez m'excuser pour ceux-là qui parlent que français. Je vais interpréter ce que j'ai dit aussi ou essayer d'expliquer aussi en français. Je réponds d'abord à M. Pierre Mulouaï. Voilà, papa, sujet Oyoye Nango, c'est un sujet qui est très, très important.
Et que, je ne pense même pas une mission de quelques heures, une heure ou deux, peut vraiment résoudre le problème ou alors satisfaire auditeur Nabisso. Je ne pense pas. Parce que ça, c'est un sujet très important. Nous tous, nous sommes dedans. Je pense pour la Mukazate. Nous tous, nous sommes aussi interpellés dans le sujet. Et ça, c'est un sujet très important. Ngai, en tant que moi, si ce qui est ségué dans l'oba, n'a qu'on s'engage dans des comoko, veuillez un peu fermer le micro ou la radio qui s'allume chez vous, parce que n'abandonne pas mal le besoin de l'ingai. Voilà, merci. Ngai, ce qu'il faut répondre en tant que moi, si n'a eu qu'on répondre na basim sousou ou basali awate, n'a qu'on l'oba que papa, si je ou yotali li kambouya, mbongo, l'argent, c'est un sujet très important. Mbongo et Kaboli Bamabala et Belé, là vraiment, je l'avoue, et Nazali ko confirmé yango. Mbongo et Zali Loko Oyo, et Zali ko sa la confusion, naba couple et Belé. Nakoko Loba, en fait, même Nanga Moko Nazo Loba, Nazomi Ye Bakati Nanga ke, Mbongo. Et ça peut confondre même Bassi et Belé. Et même il peut m'y balle. Je pense que ceux qui n'ont pas le bas, n'ont pas qui ça un mot à ce jour, mais m'y biso papa. N'aille moko d'abord en tant que moi si, peut en tant que femme, ou peut azali chrétienne, ou peut athée à capelli le bas en Zambé. Na koko loba ke mbongo d'abord il faut koyeba ko définir yé par rapport à notre foi. Na koba ke l'argent a été même défini. Ba pesa yé kombo maman de l'injustice. Donc azali nzambe même, est-ce que beaucoup ko rendre compte? Ça dit que mbongo est comme nzambe. Donc ba bengi yé le dieu maman. Kombo ya nzambe wana kombo na yé maman. Mais baba kisi de l'injustice. Donc Nzambe wana olia za la tan Nzambe ya justice mais ya za injuste. Donc ce qui mbongo et comme Nzambe c'est que eza kaka na bato oyo baza ko adorer mbongo nde bango wana bazali ko kende na ba problème et belé. Na kopé cet exemple, na kopé sa ndenge balobi na lingala, na kopé sa ndakisa. Soki mutu azali na bolingo ya mbongo, mbongo ekomi nzambe na ye. Parce que akoki kosala nyonso kaka parce que mbongo eza na kati. Combien de batu na mokilio lelo surtout même na ba couple. Baloba kabango moko ngai na sala kalikamuka soki na yebi ke interes na kati soki na yebi ke masolo mbongo eza na kati mutu wana soka zoka ngai na kati emission oyo ya papa na super boulo wai batela libala ayebaka yango ke nzambe na ye ezali mbongo ako fleshisaka mabolongo na ye ako se deplasaka de kilometre de kilometre parce que mbongo ezali nzambe na ye oyo ya sali laka. Alors, à partir ya wana, mbongo loko le komi nzambe na ye. Celui qui fait de l'argent son Dieu, selon la définition de la Bible, l'argent est défini comme étant un Dieu. Et quiconque s'y donne là-dessus, il adore ce Dieu-là appelé maman. Mais on arrive à rajouter de l'injustice. Ça, c'est d'abord la définition de l'argent, selon la Bible. Maman de l'injustice. J'attire l'attention à ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même la Bible a soulevé ces points. Que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, bolingo na mbongo ezali liziba to misisa ya ba pasito ba probleme ebele likolo ya bolingo ya mbongo
makila etanga likolo ya bolingo ya mbongo ba couple epanzana likolo ya bolingo ya mbongo ba amitié epanzana likolo ya bolingo ya mbongo ba affaire ebeba likolo ya bolingo ya mbongo bato ebele ba perdra crédibilité na bango ba sala ka ba feka pona mbongo ezwa mamuta sambelaka ezwa mamuta sambelaka te ezwa mana ba pasteur ezwa mana ba incrédule ezwa mana ba religieux l'argent qui se représente comme un dieu maman de l'injustice beaucoup sont tombés dedans na koko limbolani na sentir même kati nanga ke non il faut na fungula munoko na loba mbongo oyo nyoso alingaka yango koleka nanu vina ye moko koleka nyoso bana libala nyoso azali mutu oyo akoki kosala mabe pona mbongo parce que mbongo ezali nzambe na ye divorce pa na ye kolobela ye eloko te aussi longtemps que l'argent est mis en première position dans sa vie. Tout vient de là. Wana na ko répondre ngona deux phases. Première phase, na ko zwango na ndenga mokilio tozo vivre. Deuxième phase, na ko zwango en tant que chrétienne. En tant que mokilio tozo vivre, société na biso tozo vivre. Et côté si biloko moko na kati ya société, oyo sali confusion. Notre société, parce que là je vais développer en deux phases. Première phase, je parle de en tant que la vie dans la société. Et deuxième phase, je vais parler en tant que chrétienne. Donc en tant que la vie dans la société, notre société actuelle a introduit beaucoup de choses qui ont amené des confusions dans la vie de beaucoup de gens. Je m'explique. Nako limbo la boui. Tokoki kobanda nyonso ezali d'abord ko utana na ebandeli ya likambo ndenge bande ko bo ba papa bolobi awa. Il y en a qui se marient pour l'argent, il y en a qui aime une femme ou qui veut l'épouser parce qu'elle est belle, il y en a donc ça dit oh ya lingi moi si pour la beauté parce que ya yebi que moi si il faut à la belle à se limiter na beauté physique à moi si attendez ni yé misu na yé tala kabe oyo baza kongala kitoko. Heureusement que quelque part il a été dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Batou ba confondre to confondre makambo ebele. On prend le mariage comme étant une sorte de gain, comme étant une sorte de tremplin pour peut-être réussir sa vie. En fait, je vais dire pour ceux-là qui épousent pour des raisons d'intérêt. Alors que normalement mariage ezelo komoko oyo nzambe kutunde a pambola ka yango, il déverse bénédiction dans le mariage, mais mariage oyo e kangisami na ndenge ya malam sans intérêt aucun. Même malheureusement hélas, mariage lelo eza sous na sensité lelo ezali vraiment passi okolunganga po olobi kitoko nanga. Mais est-ce que koto a caractère nango koye bango? Est-ce que ko kangai? Alors, dès l'instant lula ki beauté fandi meza na caractère. Yango sokinga pona beauté, mais le mariage c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Il faut entrer dans l'univers de mariage pour nous rejoindre la décision que non, celle-là je vais l'épouser ou celui-là je vais devenir sa femme. Et belé bazo sakana. Lelo toko lobake mbongo loko leza sujet de l'argent toko lobake l'argent loko la ezali défini selon la Bible maman de l'injustice. Donc le nom de ce bien là ça s'appelle maman de l'injustice. Donc ça veut dire quoi? Misusu bako simbaye, mais misusu bako simbaye te, misusu bako sepela na ye bako sepeli sa vie na bango parce que bazana ye, mais misusu bako lela nzala bazangi yango ye aponi bilongi oyo bango bako simba, mais bilongi misusu oyo soka simbi mbongo problème ya monde entier telemeli ye po il faut ici là
Donc, je veux dire que l'argent, tel qu'il est défini comme étant maman de l'injustice, il applique l'injustice dans la vie des hommes. Il y en a de ceux-là qui vont toucher de l'argent, mais il y en a de ceux-là qui n'en vont pas en toucher. Il y en a de ceux-là qui vont s'enrichir davantage, mais il y en a de ceux-là qui vont s'appauvrir davantage. Voilà l'injustice de l'argent. Il y en a de ceux-là qui vont se réjouir de la vie parce qu'ils en ont l'argent, mais il y en a de ceux-là qui vont même maudire la vie parce qu'ils n'en ont pas. Voilà l'injustice de l'argent. On dirait qu'il choisit des visages. Mais il est dit que c'est maman de l'injustice. Alors, quiconque l'aime va s'attirer de beaucoup de maux. Donc, la racine, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Yango et Sengeli na batouba et bako comprendre. Bisous dans notre espace ici en Afrique, c'est un espace qui prend la prise de conscience sur beaucoup de choses. Et cette prise de conscience, tous ont interpellé même les femmes, va comprendre que, et loko, tous ont là, est-ce que tu comprends Yango, na baspe nango nyonso. Je vais dire ceci. Mbongo oyo le leso kabola mabala. Tout provient d'abord du point de la, c'est-à-dire de la case de départ de ne bandelia makamu se bandiwana. Moi si au limio bala allure naie façon naie à vivre ezaline dengenin avant de prendre une femme en mariage, comment se comporte-t-elle, comment s'habille-t-elle, comment gère-t-elle le problème de l'argent, comment est-elle. Tout dépend de là. Si déjà au moni moi si déjà abandé lioka ka chaque fois au solo la kanaye ya beta ka masola mbongo. Na kotili kelemba. Nazana besoin mbongo be po fona tinda na famille. Nazana problème boy papa e mbongo. Tout ça, je vous dis elle est en train de tester que est-ce que tu seras en mesure ya ko pesa ka mbongo. Ya zobeta masolo de la vité, ya opetelo mbongo. Alors yebaka déjà que ce genre de femme là mbongo nde nzambe na ye na lobité ke bato basa la projeter, puisque quelque part la Bible déclare que l'argent répond à tout. Il y a des projets qui ne réussissent pas par manque d'argent, ça c'est un fait. Je ne suis pas ici en train de dire que l'argent est inutile, non, je parle de l'amour de l'argent. C'est cet amour de l'argent qui deviendra notre Dieu. Et comme il est un Dieu de l'injustice, il va faire des dégâts et il va nous causer beaucoup de maux. Nyon se wutiwana. Alors, moi si oyo, azo linga boba lipona mbongo, c'est parce que yé a yébi que l'argent est ça la ka bonheur. A lingi mbongo. A yébi pété sans si alibala, a yébi pété sans sa mobali yango, pona ye, a yébi kake, mbongo ile sa ye, mbongo ile atisa. Toyo kaka maloba wana, woyo kaka, mbongo nga nako lia ye, kitoko anina nako lia kitoko na ye. Hein? On attend certains de ces paroles, hein? Certaines personnes disent, ah oui, ben, est-ce que moi je vais bouffer sa beauté, hein? Donc moi je ne suis pas pour bouffer sa beauté. Hein? Et les hommes disent, non, 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 moi c'est l'argent qui parle. Donc ça là, c'est déjà des gens qui en ont fait de l'argent leur Dieu. Qui est maman de l'injustice. Et là, ça va leur causer du tort. Donc, ce qui est important, c'est un sujet qui est un sujet qui est un sujet qui est un sujet. Mais nous, c'est ce que nous avons. De l'importance qu'on a de la chose dépendra aussi de la manière dont on va se comporter, on va gérer aussi les choses. Ce qui est un sujet, utilisation to mbongo ezali mukolo bebele pona yo ko leka bana mobali libala tonini. C'est tout à lobby nini na to teye koma. Yé, tant que l'argent ça répond pas, tant que l'argent ça manque, aza capable. Bon mona ki est serre en Christ, lobby boko change, bo pe se serre en crise. Pour lui coller un bon abomi libala, a ke ko zwa ministre, pour que nous a la deuxième bureau, to troisième bureau, ba bambi yé serre en crise. Parce que yé a kanisa ki ki a konginda, ngindite, a bomi li bala wana, a beti ba reson, a ki ozwa ministre. Ministre a tiye deuxième bureau, po ba ministre tala kaka, kanga banda ki pasi boti a komi na bomengo, yo kasa zanga ki mwasi, yo ye kaka boye bomengo. Mo bali nan yango wana kutye na bomengo sa mwasi. A part ki a za la veuve.
Bah alors ou bien c'est exceptionnel, ça la veuille à célibat. Bah wana pe mingi mingi bakana bango, excusez-moi les termes, mais mingi mona boy a simba ba kisi na ye et senga ye ke abimara na basi mais ko botate ko balate asana mwa mami wata na ye zuwa zuwa yango afanda kakuna bongo na bon bongo na bon to yoka ba témoignage délé yango to lobi to su hein to supposer a supposer que em susu kawana ko koza mais on ne généralise pas à moins que tu aies la chance wana. Lelo na poto ba réalité wana papa ezali. Tozo vivango au jour le jour. Société na biso côté si ba makambu moko oyo ezali que na tangwa kala ezaka peut-être que bongote. Mona tangwa kala ezaki mobali nde akobima ake dans les champs ko luka ko sala boye misala bilanto nini akoya nango basali nini tout moi si domaine yaki ya ndaku ya nini. Alors bilo ko ezaki bien géré. Société wana tangu wana ki bien géré. Mais dans notre temps moderne, eza sou bongote, surtout biso tozo vivre na poto. Dans notre temps moderne, mobali kaka mouto a salaka, mwose a salaka te, c'est très dangereux. Cet homme sera surchargé. A fouta ndakwe, a fouta courant, a fouta facture ya ba téléphone a bongo akota lisusu na ba dépenses ezala kaya ya ba télé ba télévision ya moi ba dépenses to benga kaya miki ya ba facture so yela kabiso ba excédent so ki pe baza na voiture fout essence carburant ba assurance ya voiture ba taxe ya voiture vraiment toza la paix sincère moi si combien les hommes vont gagner. Ya le bita papa la biso Pierre na kishasa kuna to na Afrique wana ministre wana ba monter belo wana ministre mais na poto awa ah na ebite combien ba koma na 3 000 euros a moins qu'a koma un homme d'affaires ba un homme d'affaires a beta ka ba couple na ye ndey ba misusu ba lo ba na ki gozala chekula chekula ya so zo ba mbongo moko oyo ke omona ka bou mbongo bimi boye monta moko donc ele ki na ba salarié mais so ki ezali asa muta ki na vraiment musala. Et ça, la réalité à poto, à moins qu'il y ait à jongler, moussala moko ya 8 heures, et puis à zoka moussala moko ya 2, 3 heures, la kanga kango, pour, et puis ça, excédent, mais, ba dépense nous surtout yé, ba maman, so bozo yo kangaï, mobali wana ko zala su. Et puis sans oublier Western Union, à Kanisape Kinshasa, à Tinda Penin, moi si wana ba balaki, ça va faire quoi? Et ko sala ke non, mobali wako ma surmené, ba charge koti moi si abala ayaka nde ko bala ayaka nde ko bota akope ko bota na poto e boti mbongo na ba pays mususu a di ah les allocations familiales voilà c'est ça allocation familiale wana ba ko futa mwana moko mibale misato kangisi boye e pesi mwa mbongo hein alors mobali azo sala na ba allocation familiale ba mbongo matie vimbi alors na pou mwana. Moi si sikolo kwa sala kate soka sengi papa pesanga ta moi 200 ko na sala suki moi manzaka moi mecha mikolo ba brésilienne yango bandaka ka basa papa bo bambongo wana basi basenga ka wana pe papa pe kokate alors ah mama kangami ka sikoto ya allocation familiale ya banati or ba allocation pe familiale wana so tolandi bia ba mama na biso so bozo ka biso ba allocation familiale normalement ezaka pe ya ba parents eza ya bana. Il faut penser qu'à un tel à un certain temps, moi, nawana rokoma ba 10 ans, 12 ans, sachez qu'à 17 ans, 18 ans, la femme doit aussi faire son permis de conduire. Il faut essayer d'épargner même 50 euros ou 30 euros, un compte bloqué jusqu'à tel âge, que moi, na ça, la permis de conduire, n'ayez pas souvent moi, voiture, n'ayez mon copo à bande de tambola. Cet argent-là de l'allocation familiale, normalement, est bien calculé pour l'enfant, parce que l'enfant, c'est l'argent. Ba kola kambang, ba ba na potoa. Bako latay donc so ito bito kota neti na koto ya bilamba bana e ba joue na bango ba saka exigeant o Nintendo e ba sala boye mbongo wana ba pesa ka e koka kakutu te normalement si ko soki mbongo wana komi ko jere na yo mama o sala kango ma kelemba na yo bana wana bo landela bango ba lataka bien te baza ko bénéficier na jeunesse na bango te leur enfance n'est pas profitée parce que quand les enfants pleurent le Nintendo à l'école l'enfant vient demander à son papa à sa maman maman Nintendo et tout ça maman aza na ngote o boni peuple ka chercher au demande ka même bon na yo zo ko kambi kango cet argent là normalement c'est pas pour les parents na kamoka ndenge mema ba problème na ba foyer
Normalement, si c'est un foyer qui est responsable, ils doivent savoir que cet argent-là, c'est pour l'enfant. Il faut bien gérer maintenant cet argent, à savoir les dépenses de l'enfant, l'habillement, les jouets. Plus tard, il va dire, j'ai le vélo et tout ça et tout ça. Déjà que vous ne travaillez pas, ben alors gérer cet argent de l'enfant. Même si maman, quand ils ont atteint moi 20, moi 30, quand même. Yo kangakata 100, 150, quand yo tiens la likelemba. Moi, na relata nini. Mais il est écrit même dans la Bible pour vous qui êtes des chrétiens que parents, il faut prendre soin. Na koko répondre à la Bible boy. Papa témo lobby si j'ai l'argent qui détruit et ça motuya. Ba tu ba confondre mbongo na libal. Le mariage et l'argent. Sont le bito pona entre les deux. Qui est plus important dans la vie d'une personne, dans la vie d'un être humain? Est-ce le mariage ou c'est l'argent? C'est ça. Cela dépend de la priorité qu'on en vise des choses. C'est-à-dire, quelle est ta priorité? Tu priorises l'argent ou le mariage? Alors, pèse le pour et le contre. Est-ce que c'est le mariage qui t'apporte beaucoup plus d'avantages ou bien c'est l'argent qui t'apporte beaucoup plus de gloire, d'élévation et tout ça, et c'est là, très important, peser dans la balance, alors disons, voilà, pour moi, je priorise l'argent, le mariage, je m'en fous. Eh bien, si telle personne fait son choix, ben, tant mieux, il est libre. Hein. Dans la loi du libre arbitre, il est libre de choisir ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, selon moi, je vais dire que l'importance que j'ai de la chose, si je sais que le mariage est plus important que l'argent, pourquoi? Parce que l'argent, c'est l'homme qui fait l'argent. C'est l'homme qui se bat pour chercher l'argent. Mais c'est pas le contraire. Jamais l'argent ne peut créer une personne. Jamais l'argent ne peut enfanter un enfant. Combien de riches de ce monde ont tout fait? Heureusement, la science vient résoudre certains problèmes. Hein? Avec les fécondations in vitro et tout ça. Là. Mais combien de riches de ce monde ont tout fait pour s'acheter des enfants? À cause de manque d'enfants, ils en ont procuré de l'argent pour acheter des enfants. C'est-à-dire par l'adoption et tout ça. Comme l'argent ne peut jamais créer une personne. L'argent ne peut jamais enfanter un enfant. L'argent ne peut jamais donner du bonheur. Parce que le bonheur, c'est un autre aspect. Mais le mariage peut procurer l'enfant, peut procurer l'argent aussi. Le mariage peut procurer aussi le bonheur. Parce que la Bible dit, selon la Bible, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En d'autres termes, trouver la femme, on est en train de parler de mariage là. On est en train de parler de mariage. Donc, qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il fallait qu'on en dise que celui qui a beaucoup d'argent a le bonheur. Non. L'argent répond à tout, est utile pour s'en servir. Mais dès lors qu'on en fait l'argent la priorité des priorités, c'est là où maintenant nous voyons tous ces divorces à cause d'argent. Allocation familiale, les femmes en font des problèmes, les hommes en font des problèmes, le mari qui travaille, il ne veut pas montrer son argent, mais c'est parce qu'il a des gérances, il a des dépenses ailleurs que son foyer. Il ne fait pas que la femme comprenne que j'ai 5 000, laisse-moi la dire 2 000 parce que dans le 1 000 et 2 500 là, j'ai un autre projet. Tout ça là, c'est en dehors de ton mariage là, c'est la tricherie, c'est l'adultère qui va naître, c'est je ne sais pas quoi. Et ça, c'est très important. Ngaï papa, merci pour le sujet mbongo. Et zoko kaboula ma bala parce que tu vas comprendre l'importance de côté, bah confondre la priorité de priorité. Liba la ce que c'est important parce que nzamba sopa ma pambolina ekuna mbongo te mute sala kalibala. Mais malheureusement on va comprendre ba pensé que parce que j'ai l'argent je peux me procurer n'importe quelle femme parce que j'ai l'argent. Mais moi son est kalingi yo, mais ola ki c'est mbongo alors ako lingande mbongo et ma wana mobali yo azana mwasi alinga kayete mais azuye pona mbongo to na mukanda. Ah, mon balou à la lobby, combo na ye akole la ka jour. Vérité kobima. Notre frère Chababa dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais tout dépend de là. Lorsqu'on n'est pas bien défini ce qu'est le mariage, ce n'est que normal que le divorce puisse être prononcé un jour. Et le comble, malheureusement, dans ce tel cas, s'il y a eu deux enfants qui sont nés, les enfants sont des victimes.
il verra que son papa n'est plus là parce que je vis que avec maman. Il va grandir avec l'idée que je pas mon papa comme je vois chez les autres. Et alors, si maman ne fait pas encore un autre choix, un bon choix, eh ben, il va épouser un pédophile peut-être. Hein. Excuse-moi que je dise comme ça, mais bon, c'est la réalité, on entend parler des pédophiles. Bon, donc mon frère, je ne veux pas trop parler là, parce que c'est un sujet où on va beaucoup parler et on n'est pas en finir. Ngana zo ben daka ma toi ngana na basi. Basi papa tangwa kala société mobali ngaki na koluka. Moi si domaine ezaki ndaku. Ndaku. Azako bongisa ndaku, azo zo so bana, azo zo so kolamba, azo zo tout ce qui secteur na yezaki ya ndaku. Dès l'instant que moi ça bimi pe libanda, maman makambe bandi. Si ko ye komi likambo, parce que je gère dehors, je vais gérer encore la maison. Bah papa makambo et pe esa sujet oyo magetem la bisoté. C'est encore l'un ou l'une des causes y a ba nombreux divorces. Oyo basi ba koma ko senga yango. Poto yango tolobi moi si sokaza être semblable, il faut yé baké aya ko aider pe mobali. Soki mobali azo luka, mama yo pe luko sala ta moi musala moko ya mukie, yoko la ta formation moko ko sala nango, luko sala po me mape moi ndamu na ndaku et ça l'équilibre na ba dépenses. Mais quand le diable entre maintenant, loko la maman de l'injustice, ya ka ko sala ka injustice, soki mobali pa lingi mbongo mingi, mama pa lingi mbongo mingi, bo komone ko sala concurrence, compétition dans les couples. Moi si pas ko beta ba misala m soumi balé, a bakisi li kelemba. Wow! Bongo lere ko kota allocation familiale ya bana kangyango ye atinda ka mbongo na kwana ye na famille na ye ba ko tonga banda ko ba ko sala ba business na mama na ye mobali ozana dro ye ba te ye moko mbongo na ye ale mobali pe kuna azo lekisa ko toa mama na ye ya ba bande ko na ye azo sala ba entreprise kuna sala bo moi si pa ye ba te compétition basi na miso ba bango ke madame et monsieur mais dans le foyer eloko ane kufa. Et Koufa, pour amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, ça veut dire que, va tomber dans beaucoup de tourments. C'est ce que la Bible dit. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et tous ceux qui sont tombés dedans se sont plongés dans beaucoup de tourments. Donc, et Koti. Au moins, dans beaucoup de tourments, ils apparaissent. Mais à l'intériet, ils ne vivent plus le mariage. Et le qu'on appelle Bomaka. Et bomi dans le dialogue, et bomi sexualité, et bomi ebélé. Les gens apparaissent plutôt, mais dans le foyer, c'est le désastre. Parce que moutou na moutou a visé priorité na qui est l'argent, comme il est aussi maman de l'injustice, a salipé l'injustice na yé, moukwa ko luka leka, et surtout, ce qui moua sa dozwa sou mingi ko leka moubali. Aïe, la papa zo mouna ke, il ne fait plus le rôle du chef. Conseil nanga na kolobaka kana ba mama luka oyeba quelle est ta priorité dans ta vie. Yeba que l'argent répond à tout mais l'argent ne fait pas le bonheur. Yeba que l'argent est utile pour réaliser certains projets mais l'argent ne peut pas être source de bonheur, source de la joie dans ta vie parce que s'il en était ainsi les riches de ce monde seraient heureux. Mais bango ya ba okufa na ba tension, hypertension, hypotension, ba tout ça là parce que mon boulou pona mibali boye ba kapé ango mbongo moi si azo zoyo zo zoa ya yo lingi ko tiaté o lingi kaka non je suis le chef ngam non gérer ango pe bien hein papa na ngai Pierre ngana ko lo na koko susa émission za ya yo to ko comme ça ngoy émission na biso pour rien le ko les apetem moko d'actualité. Na kopé sa conseil na deux na deux côtés na société na biso ezo ko tinda basi babi ba luka pe misala ba sala pe yango bemi pe trouble wana lorsque ba comprendre bien té et de notre côté Bible pe ezali ko recommander moi si azala soumise azala boye mais avant ko lobela moi si azala soumise ba banda na mobali liboso ba lobeli mobali ke l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Heureusement, on n'a pas dit les garçons vont quitter. Mais balobi l'homme,
Donc, en d'autres termes, c'est d'abord atteindre cette maturité des choses. Le sens de la responsabilité. L'homme qui est déjà mature, majeur, responsable, a yébi déjà qu'il va assumer un rôle de chef. Cet homme-là doit analyser tous les aspects de la vie lorsqu'il vise à aller vivre avec une femme. Parce que Bissoba, c'est Osaka compliqué. Hein? On est compliqué plus que la complication même. Alors, un homme qui va être un chef, selon la Bible, va passer chef. La parité comparée à la Bible, il n'y a pas. Il n'y a pas la parité dans la Bible. Là, la Bible, c'est l'homme le chef, le mari est le chef de la famille, la femme seconde pour être soumise. Mais dans la société, on dit la parité, donc égalité des chances, égalité de tout ça. Tel métier, moi si je peux, parité. Donc, non, c'est égalité. Quitte à vous, les chrétiens, d'analyser ce genre de choses-là. Mais on n'est pas dit que parce que je suis femme, que la société me dit la parité, que je dois aller dans mon entreprise me soumettre à tous les hommes là-bas parce que la femme doit être soumise. Non, 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 on parle de la femme doit être soumise à son mari. Beaucoup ont essayé de confondre. On va dans une société, dans une entreprise, dans une organisation, dans un parti politique. On veut étouffer les femmes sous prétexte que mais la femme doit être soumise. Mais non, je serai soumise à mon mari. Oh. Là, c'est pas, il ne faut pas confondre. On est en train de parler de le foyer pour mettre l'équilibre dans le foyer. Nzamba yebaki makambo papa nanga. Ayebaki, c'est pas pour y avoir équilibre. Parce que ce qui n'a kati ya esika, il n'y a pas l'ordre des autres kotak. Mais yo mo balipe, ba pesa yo sans sa responsabilité un chef. Oh chef a ndenge nini mbongo nyonso. Ozo sili sana deba bo. Wa les a responsabilité? Moi si ozo pesa ye mbongo belé ali banda wana. Oyebi ye bien. Ta propre femme, ta propre épouse. Oh ya zo gérerle yo ko lia na yo ko lata na yo, confort na yo. Hein? Ta propre épouse que tu as épousée là, qui a t'a fait même des enfants là. Elle est la première à bénéficier de tes avoirs, mais tu vas lui donner la deuxième, la troisième, là dehors. Mais c'est une sorcellerie. C'est un manque de responsabilité et tu ne mérites pas d'être appelé chef. Parce qu'un chef, il est animé d'un esprit de responsable. Il sait que mon foyer, c'est ça. Ma femme, c'est ça. Mes enfants, c'est ça. Il met un plan dans son foyer. Ce qui me bali babani ko l'accession sa responsabilité na bango oyo ba bambeli bango komo ya chef. Hein? Oui mon chef. Mais chef ango pe. Chef ye moko soula. Chef ye moko so azimbongo ake ko mela. Amelisi ba toa bi amelisi ba petit mike. Ba petit mike mike. Là en raison en piaka. Il vient à la maison, il sait plus quoi dépenser, il dit à la femme ba yibinga mbongo le kuta pe le kuta chef mobimba le kuta. Mais dis-moi, un chef là qui va aller se saouler avec les petites filles de là-bas, alors que dans le foyer, il est chef. Mais un chef qui ne sait pas gérer sa responsabilité, là. Mais c'est à cause de ça, là, même, que certaines de femmes se disent, oh, oh, laisse-moi au moins serrer les allocations familiales des enfants. Je ne peux pas lui donner, parce qu'il peut toucher 500 euros, là, il va les finir dans 2-3 jours. Et il s'est dit être chef. Mais un chef, c'est un sens de responsabilité. Il faut être responsable. Spirituellement, moralement, il faut être armé de cet esprit de responsabilité. Ta femme devient donc ton épouse. Elle a aussi besoin de sentir que tu penses aussi à elle. Quand tu sais qu'elle n'a pas d'argent et ne travaille pas, mais toi tu ne sais pas que la femme est comme une fleur. Ta femme là, les cheveux n'a pas encore fait là, c'est cramé là. Hein? Mais tu ne sais pas que non, ma femme, comme elle ne travaille pas là, les cheveux là, hey! Ah, alors qu'il faut vraiment, la beauté d'une femme se cache dans les cheveux. Hein? Ah, vraiment, j'avais autant là. Bon, vraiment. Alors ma chérie, tu viens un peu. Je vois que tes cheveux là, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je veux que tu me fasses hein? La coiffure là que j'aime beaucoup, elle tient l'argent. Il y a de ces femmes et de ces hommes là qui envoient les femmes aller au salon mais qui ne donnent rien. Pendant que tu sais que la femme ne travaille pas, mais tu lui dis, mais il faut faire des cheveux, il faut faire des ongles comme je vois des filles là, pourquoi toi tu es comme ça? Mais il déclare, il exige, mais quel est ce chef qui exige mais qui ne donne rien?
En plus, je veux dire aux femmes, aux hommes, hein, nous avons, nous, les femmes de 50, c'est très, hein. La femme, elle peut même avoir quelque chose. Mais si l'homme lui donne un peu un petit cadeau, là, même un petit truc pour dire que non, tiens, je te donne ça, ça fait plaisir à la femme. Parce qu'elle va les raconter à ses copains, c'est mon mari qui m'a donné de faire ça. Et les autres vont la jalouser pour rien, si elle est aussi bavarde. On va la dire, là, celle-là, vraiment, elle veut dire que c'est son mari qui l'a. Qui est cet homme-là? Va le courir. Allez. Comme on dit à Lingala là-bas chez nous, là, Virunga, maman, c'est quoi ça? Tu vas aller tricher sur le mari de tout, pourquoi? Il faut arrêter ça. Donc, ça veut dire que il y a des mystères, il y a beaucoup de choses. Donc, aussi, ça s'y joue au thé, papa. Ils allaient basper belé. Mais ceux qui sont plutôt bêtes à céder de l'émission, l'argent qui est l'une des causes du divorce. Papa, problème, oyo, même là, tant que moi, si na kolobake, la faute est dans tous les deux camps. Moi, si, pe mobal. Basi ba yaka na problème à mbongo, soka lingi mbongo trop, akola na problème à mbongo trop. Elle veut que ça capare de l'achat qu'on bomaliba la cause ministre, mon kobo abimi, quand t'es bureau, pour lingi mbongo trop. Elle aime s'habiller de habits luxueux. On écoute même mobali, ça na idée, mais yé moko kaka, il faut ala tango, mais ozo luka nini. L'argent, la racine de tous les mots. Soko toke kota mi bali, la même chose. A monika a mwana mwana soza moutu ya famille ya. Leska na kota kuna. Donc na rasi na konginda koto anzela wana. A lingiye. L'argent. La racine de tout le mot. Et trop souvent, hein, ce genre de choses. Nzamba pini sakango. A kontindo kendeka akuno koutane lobita papa. O linga kola na brrrr. A ke kozwa sida. Il faut. Tio nzamba bendi yo mato yiboto liko yo kate. O kyo tio koutane nango. O kyo kon luka boye kuna. O koutane na dernière des femmes. Infidèle plus plus. Parce que aux olandais n'ont bon onaï, aux olandais n'ont bon onaï bon. À quoi gérer yo? Il y a des femmes qui gèrent leurs hommes. À gérer yo, à repasser par jour au monaï yo, à repasser par jour au solo là. Et après, tu seras pas heureuse parce que tu vas même pas bénéficier de cette femme là. Donc trop souvent on raconte de telles déceptions parce que l'amour de l'argent racine de tous les maux. Papa, ce qui n'a le bien à clôturer ce jour yo, n'a ngai n'a pas su kabou et kaka kie. Bible, la parole de Dieu, aniata ba si je oyo. A tia ordre. Mais si tu as la Bible, tu as un contexte à la société actuelle. Ah, société actuelle, le lobby de Moussous. La parité. La femme et l'homme vont chercher. Tout le monde doit avoir l'équilibre dans le foyer, dans la société. Moussala, moi, ce n'est pas au Zango. Nous sommes surtout de gagner des chances. Alors, à un moment, on a la société, ils ont trop. Non, les femmes, binoté, c'est les hommes. Surtout société, ils ont trop patriarcat. Non, la parité doit être en action, pas la parité dans les slogans. Donc, nous tous là, hommes et femmes, pour dialoguer. Mais dans le foyer, en tout cas, Nzambe, Bible et pouvoir. Mais ce que tu continues dans la société, dans la cour de la famille, n'a pas évité. Mais ils ont la sagesse, na moi si, pe na mobali. Priorité na bino, ce que Zali Mbongo. Et ça va passer. Mais tala que la mbongo wana et aide yo pour na et répondre à ma projet. Mais non, et comme aloko la bato bazali tinate, bana tinate, libala tinate, nde mbongo nde tina. Alors que mbongo moutou nde mouta sala kango. So ki couple wana zana dialogue a bien, bazala ka bien, bako pe sa na ba idea bien, bako sala mbongo na bango bien, bako tonga makamu to balingi bien, et ko kende pe bien, alors et ko sala pe malam. Mais boye ba ke lika mbongo ba famille pe ba bokilo pe ba kota na kati nyoso na papa si je ko si la lelo te faut la prochaine fois to kota kana si jango po to kote la ba bokilo on bazoye la bato ba problème mbongo boyo ka kuna zo benga na ndenge na tinda kolanda papa gérer ye mama tinda la biso ye pa sali yango mobali pe ndenge moko abima non na famille na yete bible lobi kite ta famille ye kaka mama na bango soka ningisi boye a livrer alors que il fallait ki pe ba sali kam na foyer et continue ngo nyoso wana eza makambe belé ezo senga sagesse pour na ko gérer na suki si boye na lobi kaka pour répondre tout en tout en français je peux dire que la bible a répondu à ce genre de choses. L'équilibre dans le foyer, la femme doit être soumise, mais le mari doit montrer de la sagesse à l'égard de sa femme. Si la femme doit être soumise, c'est tout simplement parce que le chef assume sa responsabilité. Et c'est dans le cadre de l'équilibre du foyer.
tu peux pas te dire que tu es chef, mais tu n'assumes rien, tu n'as, il faut arrêter. Mais là, c'est comme ça. La Bible ici, là, comme moi, j'aime bien aussi clôturer dans de tels cas, parce que en tant que chrétienne, et puis dans sa prédicatrice, na pointe na koko paye sa passage, on a aussi na batuba tanga, on a banda, on a bango, parce que le plateau na c'est fungwa mais pour na si jambongo, et pambo la batubile le ba kolan démission, oh les sousou, et papa na biso yemo kozo zo parole, oh pas soli les sousou poké na yo, oh beti sumbonda na yo, oh binisi batubile mi balibile pour na le kambwana ya mbongo, même na biso pe basi. Na kotanga parole en Zambé, la Bible dit na 1 Pierre chapitre 2 plutôt 3 Elobi, femme que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Envoyez votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, tout ça, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est vrai. Ce passage, on est en train d'exhorter les chrétiens pour mettre l'équilibre dans leur foyer. Mais lorsqu'on en lit les deux exhortations, les deux messages, à la femme, sois soumise, ne se pare pas de cette habitude-là, des ornements d'or, les habits, les stress et tout ça, mais la parure intérieure. Mais on est en train de rajouter d'être soumise, comme l'était Sarah, qui appelait son mari Seigneur. En plus, c'est d'elle que vous êtes des filles. Mais Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur, oh les hommes, il faut aussi analyser la nature d'Abraham. Abraham c'était un débrouillard, c'était un bosseur. Il était fort prospère. Il y a une histoire même dans la Bible où on montre Abraham lorsqu'il arrive dans un coin où il y avait quelqu'un qui était mort, je ne sais pas qui. Mais il a voulu acheter le champ là pour enterrer son proche. Je ne sais pas s'il devait enterrer Sarah ou bien qui. Alors on l'a même dit que non, on peut vous faire cadeau de ça. Abraham a dit non, 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 je ne veux pas. Pour que vous me disiez que non, je l'ai donné. Non, 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 je dois payer. Abraham, il était fort riche. Il prospérait en tous égards. Donc un bosseur, un responsable digne de ce nom. Sarah ne pouvait que l'appeler mon Seigneur. Parce qu'il prenait soin de Sarah, il prenait soin de sa famille. Quand on pense qu'à la femme, on dit qu'elle soit soumise. Maman, avec l'argent que tu gères là, si ton mari veut dire, tu cries plus que le tonnerre. Donc l'argent est devenu ton Dieu. Et là, tu n'es pas soumise. Mais Marie, si tu veux aussi que la femme te fasse confiance, parce que la confiance se gagne, se mérite. Il faut prouver aussi la façon dont vous gérez l'argent. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est gérance d'argent. Il faut bien gérer l'argent. L'argent, il faut la gérer. Et si on va apprendre comment gérer, alors papa n'a besoin d'expliquer comment gérer. Parce que moi, là, tu sais que tu gagnes autant. Moi, je gagne moins ou je ne gagne pas ou je ne travaille pas. Mais toi, là, avec ton argent, tu dépenses avec les femmes de l'extérieur, les des babors, comme dit l'autre là. Tu dépenses l'argent dans les boîtes de nuit là-bas. Tu dépenses l'argent avec ta famille là-bas. Et moi, je n'ai rien. Mais un jour là, quand je vais me trouver un petit boulot ou quelque chose là, un truc là qui va me faire sortir de l'argent. Mais je vais y aller. Et dans ce temps-là, quand tu vas venir, hey, femme, sois soumise. Donne-moi l'argent là, tu as gagné combien? N'importe quoi. Tu n'as pas assumé et tu veux imposer. Donc, ça doit être l'équilibre. Hein? Excusez-moi vraiment, ça va être l'équilibre. Na silisi wana na pesio maloba na moni batu bakota kia wasoki ndeko moko azali ya kokozo mais en tout cas le oza mukolo émission faites ta conclusion, dis-nous qu'est-ce que vous voulez dire
En tout cas, papa, fongola na nous gérons sans bon go bako gérer comment. Na lobby belé, na soufflé, na sandi, ba toba limbi sa soki na blessa ki. Groupe moko boye, bo limbi si. Mais il fallait ki kolo bango. Donc le mari, s'il vous plaît, hein, tu donnes rien. C'était Eric. Oui, Eric Iloulo. Eric, si tu nous écoutes, revenez s'il vous plaît. Soki ozana likambwa koloba, revenez pour dire quelque chose. Sinon, papa n'a pas si on me kakofungola mouke na obi surtout au lobby. Hein? Donc, je vous passe la parole pour dire quelque chose, comment gérer cet argent. Donc, c'est ça quoi. Moi, pour dire les hommes, s'il vous plaît, avant d'exiger, donnez l'exemple. Je vous passe la parole. On donne la parole à Bacha. Oui, allô? Oui, on vous donne la parole. J'ai demandé 5 minutes, n'est-ce pas, pour conclure. Et ce que je demande de la part des parts et d'autres, n'est-ce pas, des parents, c'est-à-dire du papa et de la maman, c'est que nous avons les divorces sont trop précoces, c'est-à-dire les divorces sont trop précipités. Et il nous faut, n'est-ce pas, une sagesse dedans. Et surtout, éviter ce système européen de déclaration, c'est-à-dire de divorce précipité. Là, ça n'arrange pas la situation parce que, dans tous les cas, les causes, les conséquences reviennent à nous, aux parents et aux enfants. Bon, il y a manque de dialogue. S'il y a problème, le divorce, il est trop précipité. Mais si nous prenons le cas en Afrique, avant que le divorce ne se prononce, ce n'est pas facile. Mais c'est ici en Europe où si un problème arrive dans un foyer, on n'essaie pas de résoudre ce problème. On ne reste pas à deux. Ou bien on n'invite pas, n'est-ce pas, certaines personnes pour venir, que ce soit religieusement ou bien traditionnellement, ce qu'on a considéré comme, qu'on prend comme des sages, de venir voir le problème, de poser le problème sur la table, le problème d'une famille sur la table, et d'essayer de résoudre. Mais qu'est-ce qui se passe ici en Europe? Il y a un problème, la femme était fâchée, l'homme était fâché, il y a du désordre dans la famille, tout, rien n'est corrigé, et tout brusquement, ah, voilà, la police arrive et voilà, c'est le divorce en même temps. C'est-à-dire, bon, il n'y a plus de dialogue et c'est fini. Les enfants vivent peut-être avec un parent et c'est fini. Mais ce que moi je recommande, c'est que, bon, dans tous les cas, il y avait eu d'abord l'amour. C'est pourquoi les gens se sont unis. Et s'il y a enfant, voilà, ça devient une famille. Ou bien, s'il n'y a pas enfant, on vit en famille. Mais pourquoi lorsqu'il y a un problème, on ne sait pas de rester ensemble pour en discuter, pour en parler. Et s'il le faut, chercher des témoins. Vraiment, si on a l'amour, on va chercher toujours à corriger un problème. On va essayer toujours à corriger, n'est-ce pas, les manières de vivre. Nous allons rester ensemble, n'est-ce pas, pour en parler, pour essayer de corriger ce que nous avons fait, nos erreurs, et résoudre les problèmes. Mais les divorces ne nous arrangent pas. Ça ne nous arrange pas. Il faut essayer toujours, n'est-ce pas, de rester et corriger et résoudre le problème. De toutes les façons, ce que moi j'ai ajouté aussi, nous devons le remarquer que si on dit une femme ou bien un individu, un être humain, ça commence d'abord par le cœur. Le cœur, c'est l'homme dans son ensemble. Et ce cœur-là, lorsqu'on va commencer par le salir, c'est-à-dire que dans une famille, l'homme est contre sa femme parce que sa femme a fait des choses qui ne l'intéressent pas, ou bien vice-versa, au lieu de rester ensemble pour en parler, on garde le problème secrètement au cœur, et ce problème-là s'amasse, et le cœur est malade. Et lorsque ce cœur-là devient noir avec tant de problèmes, alors là, c'est le divorce qui arrive. Et là, on va dire que le monsieur ou bien la dame
c'est un mauvais type ou bien c'est une mauvaise femme. C'est parce que ce cœur-là est noir. Parce que l'homme, c'est le cœur. Et si ce cœur est devenu dur, très sale, très noir, on n'est plus homme, on devient un animal. C'est ce que j'ai à ajouter. Essayons de corriger cela. Essayons de dire aux autres les défauts qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, surtout lorsqu'on est dans une famille. Et là, essayons de corriger. Merci.
papa, tu peux si maloba. Bête la vision tam tam, bête poke, tozong si maloba, sengela kito, yo kasus musique yo ya yo, yo pona nzembo ya libala. Redi a yemba bien ba parole ya malamu. Zo maloba papa. Nazo yo kayo. Ava. Merci Ebele pour la nani. Namoni ki lelo to lobi mingi et puis si j'ai za mulai, si j'ai yo ekosi la lelo te. Et puis yo pe o panzi panzi yango na ndenge moko akosaka na te. Panzi yango na ndenge moko akosaka na te. Na banzi ki bat bayoki mais eza si je moko eza vraiment eza batebele bazo kabwana kaka pona ba makambo alar ba makambo mbongo ba nini me zamba sunga kandi ne tuzulo baloba bwe na ba radio ba msusu bazo ba fait conscience me eza si je moko eko sila lelo te tokolo belango presque un mois même une année na kati ya radio na biso à la prochaine lundi msusu tokolo belango msusu tala kaka neti ba si je o makambo ba bokilo ba nani nani to lobele yango te to lobele yango nzambe batela biso tokoma lendi oyo ekoya to loba lisusu pona makambo yango lisusu ya mbongo tala kaka makambo ya mbongo ezoboma mabala na biso tokomi na kobanga ezoboma mabala na biso bon wana tokomi na suka ya nani ya emission na biso tosengi na Eric Lulua tonaki to yoka yope na to yoki yote na ya la prochaine okota to eba nini to kopesa na bamayele Eric akoti Eric Lulua. Vraiment erreur réelle. Bon, ce qui nani Eric Lulua à côté ça mis au moins deux mois, trois mois pour conclure et puis on est la lundi sous. Pour ça si je m'occupe à bien si je m'occupe à Koloba et à Kolobela si je m'occupe et cause à la que et quoi de bisoming bisognoso si je m'occupe quoi de bisoming pour toujours le bango avec expérience bisognoso tout ça dans ma maman tout ça dans la telle bala le yebi va m'accompagner toujours vraiment zambe à son gabiso tout comme à l'indi mususu tout le bela le kambango. Ce qui m'a endoulé, Zali, maman, au coup balancé, mais ce m'a endoulé. Au lobby, Nata Miziki. Miziki susu neti nini bosengi li susu to tu nakuna nati natia nata na YouTube ao. Nini bosengi. Parce que normalement, Eric, soki aza koyo kabiso, vraiment, soyez gentil de revenir. Je crois que il avait écrit quand même un petit mot pour avoir la parole. Je n'ai pas vu ça parce que Nasi na mataki déjà na kanda. Donc voilà, j'ai vu ça en retard quand il demandait la parole. Voilà. Et puis il a aussi un petit problème avec son routeur. Je crois il me l'a déjà expliqué. Donc ça coupe à chaque fois. Et peut-être c'est à cause de ça que bon voilà, il n'est pas là. Papa, donc ce que ça la conclusion que ça malamou, mais musique. Vraiment, tout le cas, musique qui me soumet en attendant, Koki Koluka Koloba. Tout le monde, si Kaka Ndembo, il y a Tata Labiso, il y a Oazo Loba, il y a Redi, tout comment? Maloba Makasi, Moko, Biso Koutoyo, Kaka Labiso, ba Gospel. Mais Maloba Oyo, en tout cas, Redi, félicitations. Ayemba na ye bien, Aloba na ye ma, vraiment, Nandenge a bien.
Zanzembo malamu. Alors, boyo kango lisusu, deuxième fois encore. Écoutez encore la deuxième fois la chanson de Redi Amisi, le musicien congolais. Déjà, na moni kune salimo a defo mouke. Oui, zo a maloba, pon a conclusion bango, ngonga pe pousani, na zonk si malobe pa na yo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup na baba, na papa Patch. Merci beaucoup à tout le monde qui était avec nous sur le plateau, et puis Eric aussi, Eric Loulua, et à vous maman Feza, et à tout le monde aussi qui nous a donné quoi confiance na radio na biso ya nani ama Africa Voyo TV tozo pesa bino merci mingi toza ensemble oyo eza émission na biso nyonso de façon que toye bandenge nini toko fanda na kati ya mabala na biso toye bandenge nini toko protéger mabala na biso. Merci à Batunyonso, Balandibiso, Nababa Kolandabiso, les choses même après. Zamba Fambola Bino, Abate la Mabala Nabino, Bino Pé, vous savez, fort, vous battez la Mabala Nabino, de façon que tout est bandingini, toko fandana kata kimia. Bon, wana merci, ciao, à la prochaine. Lundi prochain. Ok, merci, hein, ciao. Ok, merci. Ciao. Merci. Au revoir. C'est la fin de l'émission. Bonne soirée à tous ceux qui nous captent dans Am Africa World. Voilà, nous vous disons bonne soirée.
et bien sûr à demain. Morgen tschüss, da sag ich doch, morgen Dienstag haben wir vielleicht Nisset Ponza oder auch ein paar Besucher vielleicht. Da sag ich gute Nacht, gute Nacht. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ha 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 ha.